Vas-y. Bonjour, cher monsieur. Entrez, je vous en prie. Permettez-moi de vous présenter Brigitte, monsieur Vadim, mademoiselle Brigitte Bardot. On se connaît. Ah, vous vous connaissez? Oui. Ah, bah vous avez de la chance. Enfin, moi j'ai cette même chance maintenant parce que je ne connais mademoiselle Bardot que depuis quelques instants. Elle a bien voulu venir ce soir me donner la réplique pour une pièce que je dois emmener en tournée et pour laquelle je cherche désespérément une partenaire. Le rayon des jouets, mais on ne peut rien cacher, monsieur Vadim, le rayon des jouets de Jacques Deval. Et je cherche une partenaire désespérément, car c'est très difficile, quoi qu'on en pense, de trouver une jeune comédienne. Et mademoiselle Bardot a bien voulu venir passer, comme on dit, la scène avec moi pour voir si elle pouvait le jouer. Et je crois qu'elle peut, d'ailleurs. Oui, mais vous savez, c'est un peu notre sujet. Et vous savez pourquoi on est ici? Oui, je sais. Marc Allégret m'a parlé de son émission, qui est une émission très intéressante et, je crois, très utile. Justement pour des jeunes comédiennes comme mademoiselle Bardot. Oui, car en fait, ce qui compte, c'est d'être vu par le public. Ce soir, elle va être vue par, je ne sais pas moi, 60 000 personnes. C'est exactement ça le propos de cette émission, c'est qu'en effet, la chance de mademoiselle Bardot, enfin que nous prenons comme un exemple charmant, mais un exemple, c'est que si elle tourne un film, et à plus forte raison si elle joue une pièce au théâtre, elle sera vue par un nombre de spectateurs relativement réduit, suivant le succès du film ou de la pièce, tandis qu'en passant à la télévision, elle sera vue par des milliers, et espérons, ça se produit en Amérique et bientôt en France, je pense, des centaines de milliers, des millions de personnes, ce qui ne pourrait jamais lui arriver au cinéma ou au théâtre dans le même laps de temps. Le point le plus important, évidemment, c'est d'être vu par le public. Mais il y a aussi un second point, c'est le jugement de ce public. Oui, c'est même probablement le point le plus important, parce que ça n'est pas tout d'être vu, parce que en effet, nous, on pourrait passer une audition devant un public de vaches ou de poules et qui n'exprime pas leur jugement, ça n'aurait pas la même importance, même si elles étaient très nombreuses. C'est une hypothèse purement fantaisiste. Mais je crois en effet que le jugement du public est très important, et je crois même que c'est le seul qui importe, parce que en fin de compte, c'est le public qui a raison. Ça fera probablement crier quelques esthètes, mais enfin quelques partisans d'une élite extrêmement réduite. Mais il est évident que ce qu'on nomme par exemple la postérité, qui vous attend, ma chère Brigitte Bardot, la postérité, c'est le nom noble qu'on donne au public, parce que le public, sur le moment, enfin dans l'actualité, on dit le public n'y connaît rien, le public est une bande d'imbéciles, etc. Et puis il se trouve que 50 ans plus tard, c'est le jugement du public qui est ratifié par ce qu'on appelle la postérité, c'est-à-dire par la suite du public, par les enfants, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, des gens qu'on a jugés stupides 50 ans auparavant. Donc le public est très important. Il y a un exemple que je cite toujours à l'appui de ça, si je peux dire, c'est que Boileau, qui était réputé pour son bon sens et qui a écrit quelques œuvres assez connues, Boileau a dédié l'œuvre complète, enfin ses œuvres complètes qu'il a publiées assez tard, quand j'avais passé 70 ans, et qui était l'édition définitive de ses œuvres, il l'a dédié au public. Le reste de sa vie, il avait passé son temps à dédier ses œuvres au roi, à Louis XIV, au dauphin, enfin, l'autre, à la reine, au seigneur qui était capable de lui donner quelques subsides pour imprimer ses bouquins. Et puis quand il a été à la veille de sa mort et qu'il a jugé que le temps n'était venu, il a dédié son œuvre au public, signifiant par cela que c'était tout de même le public qui avait raison, même sur Louis XIV, et même sur le dauphin, tu parles, et même sur la reine. Par conséquent, je crois, c'est un exemple puéril peut-être, mais quand même qui veut dire quelque chose, parce que c'est tout de même le public qui a raison. Non, naturellement, ça peut sembler un peu injuste à première vue que le jugement soit décidé par la plus grande masse. Ça vous paraît injuste, mademoiselle Bardot? Oui, dans certains cas, peut-être. Il est certain qu'en dernier ressort, c'est le public qui juge et qui a raison. Mais le problème ici est un peu différent, puisqu'il ne s'agit pas de juger des talents affirmés, mais des jeunes gens. Les qualités sont encore embryonnaires. Oui, mais je comprends bien votre question. D'ailleurs, il est remarqué que même pour le public dont nous parlions en termes avantageux, il n'est jamais question de porter un jugement sur quelqu'un dont le talent est déjà acquis, parce que ça serait trop facile. Mais en effet, c'est un problème très difficile de reconnaître le talent tout de suite. D'ailleurs, ça prend souvent du temps. Nous avons des camarades que j'admire énormément et qui ont eu beaucoup de peine à acquérir le goût du public et sa faveur. Ça, c'est pas douteux. Ça prend souvent du temps. C'est une question de sympathie qui joue beaucoup. Et d'ailleurs, ça n'est pas tellement facile, parce que même ce qu'on appelle pompeusement les jurys, les membres du jury, comme on dit, heureusement, j'en ai jamais été, on a de très rares occasions, mais enfin, si vous voulez, au conservatoire, par exemple, où il est question chaque année de dire celui-ci a du talent, celui-ci en a moins et celui-ci n'en a pas du tout. Très souvent, ces jurys se sont trompés.
S'il y en a des exemples fameux que je ne citerai pas pour ne blesser personne, parmi justement les membres du jury, mais il y a un exemple que je me plairais à vous citer et qui, je pense, plaira à son auteur parce que c'est cet extrait d'un film que j'aime beaucoup et pour lequel je crois Marc Allégret a une certaine tendresse aussi, qui s'appelle Entrée des artistes. Il y a dans ce film que nous avons tourné il y a un certain nombre d'années, pas si longtemps, mais enfin quand même, il y a justement une jeune actrice qui comparaît devant le jury du conservatoire et qui suscite dans ce jury ce qu'on appelle des mouvements divers et des opinions divergentes. Et c'était en l'occurrence Jeannine d'Arcet, que d'ailleurs vous allez voir sur l'écran. Vous voyez, mademoiselle Brigitte Bardot, que ça n'est pas toujours si facile de plaire aux messieurs. Non, enfin, entendons-nous, de leur plaire d'une autre façon, ça, vous n'avez pas de problème pour ça, mais de leur plaire d'une façon purement artistique et d'obtenir d'eux leur assentiment et de la permission d'entrer au conservatoire ou de jouer une pièce, ça n'est pas si facile. Il ne faut pas vous faire des...